Ma sœur Chérine a l'attitude d'une star. Sa façon de se répandre. Sa démarche, ses manières. À 14 ans, son corps s'est transformé d'un coup. Depuis ses 14 ans, mon père ne parle plus à Chérine. Tu peux pas toujours t'opposer à lui comme ça. Ça crée trop de problèmes. Avant qu'il parle plus à Chérine, il était pas comme ça. Il rigolait avec nous. Excusez-moi. Ça fait plusieurs fois que je vois dans le quartier. Je suis agent, je m'appelle Alex Ducasse. Je suis pas mannequin, mais ça m'intéresse. Ça se passe comment? Écoute, si je m'occupe de toi, je vais te mettre sur le marché de la beauté, d'accord? Avec moi, tu peux devenir une star. Il est tombé sur le dos. Il peut plus marcher. Avec toutes les crasses qu'il nous a faites, il doit être en train de flipper quand on se venge. Toi, t'as toujours adoré, jamais touché. Tu seras toujours sa préférée. C'était pas prévu au début que je fasse ces trucs-là. On n'avait jamais parlé de ça. Parce que toutes les filles que tu vois dans les magazines, elles sont toutes passées par là. Et pourquoi tu fais ces trucs chelous? C'est ce mec-là qui t'a rendu comme ça? Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu sais même pas comment ça marche, une femme. C'est sûr que toi, tu dois en savoir long sur la question. Putain, même crier, j'y arrive plus. J'en ai marre, j'en peux plus, j'étouffe. Je me sens étriquée dans ce monde. C'est pas possible ce qu'on nous balance en pleine face tous les jours. Comme si on voyait rien, qu'on ressentait rien, qu'on entendait rien, qu'on pensait rien, comme si c'était un jeu. Mais putain, pas. Qu'est-ce que t'as fait pour que Chérine aille se jeter dans les bras de n'importe qui? Pourquoi tu lui as refusé les tiens? C'est qui ces gens? Pourquoi tu l'as acheté quand elle est devenue femme? Ta mentalité de merde. À cause de toi, voilà ce que j'ai vu. Et tu recommences à répondre? J'arrêterai de te répondre le jour où tu te comporteras comme un vrai père. De toute façon, tu peux plus rien faire, t'as plus qu'à faire marcher ton cerveau.